En fait, j'ai pas les bons pneus. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui, regardez, avec un nouveau camion. Voilà, j'espère que vous kiffez. Oui, oui, c'est un Volvo. Donc voilà, ceux qui kiffent les Volvo, j'espère que vous êtes contents. Et ceux qui n'aiment pas Volvo, je suis désolé. Voilà, je pense notamment à pas mal de petites personnes parmi vous. En tout cas, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, c'est un des derniers Volvo, du coup, dans la liste des Volvo qu'il y a. Et je l'ai customisé un petit peu à ma façon. La télé, il y a les rideaux aussi, enfin voilà, c'est formidable. J'ai pas customisé à fond, je pense qu'on fera ça au fur et à mesure. Les amis, c'est une des dernières vidéos pendant un petit moment, je pense, sur Euro Truck. En tout cas, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, comment dire. C'est une des dernières vidéos sur. Voilà, parce que du coup, on est à au moment où cette vidéo sortira, c'est la semaine où il y a Far Cry 6 qui sort, la semaine où il y a Battlefield 2042 qui sort en bêta. Clairement, je vais plus avoir le temps de faire du Euro Truck et surtout, j'aurais plutôt envie de faire mon let's play sur Far Cry 6, comme vous le savez. Si je peux, si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, surtout, de faire du Euro Truck, j'en ferai. Mais voilà, ce n'est pas du tout une certitude, donc laissez-moi le temps tranquillement de profiter des autres jeux et j'espère aussi que vous suivrez un petit peu mes aventures en parallèle. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes toujours près de... Alors on n'est pas à Krotergersheim là, du coup on n'a pas de TP rapide malheureusement. Par contre on est dans la zone portuaire de Utopia. Et vous m'avez donné des indices, vous m'avez surtout dit où se situe la route qui porte mon nom. Il se pourrait que ce soit la D24. Si j'ai bien compris, ce serait celle-là. Donc parce que c'est entre Melan et Mesnil-les-Libercourt. Et aussi, j'ai écrit à My Godness, du coup, le créateur de Grand Utopia, et il ne savait pas que j'étais alsacien. Et du coup, c'est juste super bien fait, le fait que la route qui porte mon nom soit à côté de Krotergersheim, qui se situe en Alsace. C'est juste incroyable, le clin d'œil qui n'a pas été fait exprès. Donc voilà, moi, ce que je vous propose de faire, les amis, on va... parce que j'ai cherché des offres de traction, il n'y a rien qui me plaît. Donc là, on va juste rouler. On va juste rouler sans cargaison. En découvrant des petits points d'interrogation, par exemple, vous voyez, là, attendez, on a un point d'interrogation ici, voilà, on va essayer de faire ça un petit peu le tour, et attendez, il y a un point d'interrogation ici aussi, voilà, le but du jeu, c'est qu'on débloque tout ça, tous ces points d'interrogation, et on va passer devant plein de, attends, voilà, démarrons le moteur, ce sera déjà pas mal, et on va passer devant plein d'entreprises, et on va voir s'il y a des missions qui nous intéressent ou non. Et si tel est le cas, eh bien on prendra ces fameuses missions. Et puis sinon, c'est pas grave. C'est ici la sortie au moins? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je sais pas où on est. Hein. J'ai fait un TP rapide. C'était pas par là la sortie. Hein. C'était pas par là. Veuillez m'excuser. Donc là, clairement, on est sur un camion plutôt puissant. Hein, vous l'aurez compris. Ok, c'est bien par là la sortie. C'est juste parfait. Ouais, là, on va aller méga vite. Donc on va évidemment se calmer. Alors j'ai le GPS en x2. Je vais vous expliquer pourquoi. What? Je suis en contresens depuis tout à l'heure. Ok. Excusez-moi. J'ai le GPS en x2. Premièrement, donc je l'ai évidemment intégré de base sur le camion. Et je l'ai mis aussi, regardez, en téléphone, en vertical. Parce que du coup, ça permet de mieux anticiper les destinations. Genre, on voit beaucoup plus loin quand il y a des sorties, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. J'avais vu ça sur une vidéo sur YouTube, donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil dès que j'aurai un nouveau camion. Donc voilà. Donc là, on est au port d'Amsterdam, bien évidemment, c'est faux. Nous, on va aller par ici. Voilà, port AL20 découverte. Vous voyez, il faut qu'on découvre. Comme ça, ça fait augmenter notre pourcentage de découverte. Et c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment pas mal. Alors là, il faut aller à gauche. Et voilà, ça permet de découvrir ces petits endroits. Regardez, c'est trop joli. Là, on se croirait vraiment en France. C'est super bien fait. Toi, t'es con. Toi, t'es con. Ah, d'ailleurs, j'ai des trompes. Voilà. Petite précision très importante. C'est ultra stylé. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va pas trop rouler avec des remorques. Dans tous les cas, sachez qu'on va juste... Ok, c'est un DAF. On va juste profiter parce que c'est vraiment une des dernières vidéos sur pendant un petit moment sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai vraiment envie de profiter encore à fond de Euro Truck à... Alors faire les cons, c'est vite dit, mais en tout cas voilà, se balader, se promener, découvrir des nouveaux horizons comme ça. Vous voyez, ces petits quartiers, c'est quand même ultra sympa. Et ça, je pense pas qu'on aurait pu découvrir comme ça sans... Enfin, avec une remorque. Je pense pas. Hop. On va sortir. Et on est reparti. Et donc là, on va aller à gauche. Oh là, oh là, oh là, il y a du bouchon, il y a du bouchon. Ah oui. Ça y est, ça bouchonne. Ça bouchonne, ça bouchonne.
C'était quoi mon précédent camion là que j'utilisais tout le temps? Je sais plus, mais c'est celui qui a les... Oh putain, c'est un rond-point avec deux voies, mon pote. C'était avec les rétroviseurs numériques, je crois. Hein. Alors, du coup, c'est bien aussi de repasser sur les rétroviseurs normaux. Allez, c'est parti, on va quitter cet endroit. L'avantage aussi, c'est que comme on est déchargé, on va aller super vite. Et ça n'a pas de prix. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Alors par contre, ça fait très plaisir. Il y avait des commentaires vraiment... Attendez, faut que j'aille... Oula. Faut que j'aille à gauche tout de suite, là? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? L'intelligence artificielle, hein? Non, là, il faut aller à gauche. Hop. Ah, faut faire demi-tour là-bas, c'est pour ça. Ok. C'est ultra stylé, hein. C'est ultra stylé là. J'essaye d'en prendre un petit peu plein les yeux, vous voyez. Et j'espère que vous aussi vous allez profiter un max. Si jamais vous n'avez pas Grand Utopia ou quoi. Alors la gendarmerie, voilà, ça recommence. Voilà. Bon après c'est moi qui arrive vite, hein, qu'on soit bien d'accord. Hop, direction Melun. Bah ça tombe bien en plus du coup, puisque ma route est entre les deux. Donc aujourd'hui on va découvrir ma route. Je sais même pas comment on fait pour voir ça. Mais non, mais attendez, je devais pas aller là. Oh, c'est mal fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais attendez, pourquoi? Mais non, il m'a fait faire... Ah, mais putain, mais je suis con. C'est là où j'ai commencé, en fait. C'est là que j'ai commencé. C'est pour ça que j'étais perdu depuis tout à l'heure. Non, mais c'est bon, tout va bien. Ok, ok, je suis bête. Non, mais excusez-moi. Allez, nickel. On se met à gauche. Et on est parti. Oui, du coup, je disais, je sais même pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est écrit sur les panneaux, tout ça? Là, vous m'avez vraiment pas teasé le truc. Donc, tant mieux, c'est cool, ça va être vraiment une découverte. Et puis voilà. Non, vraiment, ouais, vos commentaires sur la dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir, voilà. De type compliments. Alors, d'ailleurs, c'est cool parce que ce que vous m'aviez dit, voilà, c'est. Les vidéos ont beau être plutôt longues. Vous trouvez, on va dire, que c'est pas ennuyant ou quoi. Et je vous en remercie et je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant qu'il y ait une petite pause qui arrive là, le temps que je fasse du Far Cry 6, le temps de me ressourcer parce que c'est vrai qu'en vrai là, j'ai plus grand chose à dire, je vais pas vous mentir. Donc je pense que ça tombe au bon moment. Ça tombe carrément au bon moment. J'ai pas de questions sur Instagram, ça vous avez pas été très nombreux à jouer le jeu mais c'est pas grave, ça je comprends parfaitement, voilà, c'est complètement normal. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau là. Putain, par contre il fait des bruits, je suis d'accord avec vous si vous trouvez le son dégueulasse. Le bruit du Volvo là, il est pourri mon pote. Il est pourri. Allez, voyons voir ce qu'il nous réserve. Et là il faut que j'aille à gauche. Utopia. Trop stylé. Hop. Attendez, je trouve pas mon clignot. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va arriver au niveau des entreprises. Donc, on va voir s'il y a des offres de traction qui nous intéressent. Très sincèrement, je pense que ça m'étonnerait. Là, on va vite fait faire le tour. Et si jamais, on se met tout de suite le point direction... alors, non pas Melun, mais vous savez, la direction où il y a la route. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. On verra ça. On verra ça. La zone 30 là elle va être terrible. Mais freine pas comme ça. Ça sert à rien. En plus il y a déjà un bouchon. Voilà, excusez-moi hein. Je suis un petit peu pressé, je vais pas vous mentir hein. Là il y a une entreprise. Donc on va juste vérifier, voir ce qu'ils proposent. Hop là, bah ça me rappelle mon stage. Ce que je vous parlais, tu sais, où tu vas à des entreprises sans savoir si t'as quelque chose ou pas, et c'est débile. Voilà, hein, c'est typiquement ce qu'on va pas faire. Ça, c'est typiquement ce qu'on va pas faire, les gars. Ça ne nous intéresse pas. Alors, on va se remettre sur la route. Voilà, parfait. Alors, le point d'interrogation, il me l'a pas débloqué. Bon, c'est pas grave, on va le faire. Je vais enlever le point, et là, bah, le Crotter Gersheim, on va laisser tomber. On va aller du coup à Ménil-les-Libercourt, juste là, à ce point d'interrogation. Et donc, ça va nous faire passer par là. Ok, très bien. Bah, est-ce qu'on fait un... Attendez. Est-ce que... Ouais, mais là, il y a une sorte de péage et tout. C'est chiant les péages.
Oh la flemme, on retournera de façon à Krotter-Gersheim. Donc on va faire ça les gars. On va faire ça sans cargaison du coup les amis, je suis désolé. Bon c'est un petit peu con, mais c'est pas grave, on a déjà fait ça de toute façon. Non d'abord je vais voir le point d'interrogation là. Le Volvo là. Voilà, histoire qu'il me débloque. Et on va tenter un demi-tour. De toute façon, il n'y a personne. Donc, on fait chier strictement personne. Parfait. Bon, par contre, il pleut. Et ça, c'est terrible. Allez, on est parti. On est parti, mon kiki. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment. Malade, lui, hein. C'est un sapin de Noël au milieu, là? Bon, en tout cas, là, on découvre, on connaît pas non plus ici, c'est ultra stylé. J'adore. Tout est cool. Hop, on va gratter. Connard! Pardon. Oh putain, le karma! Ah. On a eu chaud, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand on n'est pas concentré, qu'on se laisse perturber par des choses. Voilà, ne m'en voulez pas. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et c'est pas bien, mais de toute façon, il y avait les pompiers pas loin, si jamais, tu vois. Je sais de quoi on va parler, les gars. J'ai trouvé un sujet de discussion en direct. Ça va pas être très très long, de toute façon. Les gars, je me suis pris un abonnement Netflix. Je me suis pris un abonnement Netflix il y a quelques jours, d'accord? Donc évidemment, ceux qui me suivent sur Instagram et Twitter savent que je suis un peu dans la mouise entre, évidemment, Far Cry 6, Battlefield et Netflix. Bref, j'ai un problème de vie sociale qui arrive, tu vois. Oh, j'ai trop bien fait de me mettre sur cette voie, les gars, regardez. Je suis juste un génie. Bref. Et je me suis donc pris un abonnement à Netflix. À la base, spécialement pour une occasion, c'était pour regarder une série. Une série, je pense que ça ne sert plus à rien de dire son nom, puisque vous la connaissez forcément, même si vous ne l'avez pas vue. À savoir Squid Game. Voilà. Alors, je vais pas vous spoil, hein. Ceux qui veulent regarder, ceux qui n'ont pas regardé, il y aura aucun spoil, je vais rien vous dire. Mais juste, pépite. Pépite, pépite, pépite. Alors il y en a qui diront que c'est surcoté. Voilà, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. C'est juste trop bien. Je vais rien dire de plus. Hein. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est heureux? Est-ce que c'est rigolo? Machin. Je ne dirai rien. Mais en tout cas, j'ai kiffé sa race. Et j'ai envie de sortir avec une coréenne. Non, c'était pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez... Bah voilà, c'était ça. Est-ce que vous avez regardé Squid Game? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous comptez le regarder? Et si oui... Enfin, si vous l'avez regardé, est-ce que vous l'avez bien aimé? Alors, s'il vous plaît, pas de spoil par contre. Ne mettez aucun spoil en commentaire pour les autres. Faites attention dans les commentaires, les gars, si vous voulez pas vous faire spoil. Parce qu'il y aura toujours des petits malins. Mais dites si vous avez kiffé, si vous avez pas kiffé, etc. Et si vous avez des films Netflix à me proposer, à me conseiller pour que je puisse regarder moi, n'hésitez pas. Voilà, parce que bon, c'est vrai que sur Netflix, moi je découvre, hein, les gars, je suis un vieux, hein, je suis un vieux, je découvre Netflix. Mais c'est vrai que bah, tu tombes sur tout ce que tu veux. Je peux te dire que c'est d'un ridicule, mais j'ai enchaîné je ne sais combien de séries à la suite et je les ai terminées, etc. Je suis pas rentré dans la voiture, hein, je vous rassure. Hein. Bref, je les ai enchaînés, on trouve facilement des séries, mais si vous connaissez des séries vraiment bien, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire, et comme ça vous pouvez d'ailleurs conseiller les autres qui souhaiteraient peut-être regarder des séries. Juste un truc, par exemple, tu vois, La Casa de Papel, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, à vous de me convaincre de regarder, mais en vrai, ça m'intéresse pas. Voilà, juste, ça m'intéresse pas, mais si ça se trouve, je passe à côté de quelque chose. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Oh, Squid Game, magnifique, hein. Magnifique. Il y en a une là, mais moi je veux l'épouser, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, voilà. Je vous avais dit que ça allait être rapide ce sujet de discussion. Voilà, je ne me suis pas moqué de vous. Allez, on découvre maintenant de nouvelles routes. Là, il faut qu'on se concentre parce qu'il faut pas passer à côté de mon pseudo, les gars. Là, c'est le petit moment narcissique, hein. Je vais peut-être mettre mes feux de croisement, je suis un tocard. Mais oui, il pleut des cordes. Et moi, je suis sans feu. N'importe quoi. Déjà qu'on voit pas grand-chose. Hop là. Bon, bah en tout cas, ouais, par contre, ça va être des lignes droites bien chiantes comme en Alsace. Ah bah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Non, par contre, dans les Vosges... Les gars, je viens de faire de l'aquaplaning. Personne ne l'a remarqué, moi je l'ai remarqué. C'était ultra stylé parce que ça a duré un millième de seconde. Mais j'ai senti le camion partir. Trop stylé. En fait, j'ai pas les bons pneus. Wouah!
Oh, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur. En fait, les gars, j'ai changé les pneus. Parce que de toute façon, les pneus, déjà, ils étaient en catégorie D pour la pluie. Et je suis passé en catégorie C, alors que j'aurais pu mettre du B. Mais en fait, c'était le meilleur compromis par rapport à l'essence, etc. Tu vois. Mais j'aurais dû mettre du catégorie B quand même pour la pluie. Je pensais pas qu'il allait. On voit rien du tout. C'est phénoménal. Et les lumières d'ambiance d'intérieur ne fonctionnent pas, les gars, ce que vous m'aviez dit en commentaire. J'ai beau appuyer sur les touches, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est mon mode qui est plus à jour parce que ça fait depuis tellement longtemps que je l'ai. Donc c'est normal. Mais il faudra juste que je réinstalle. Bonjour la police. Donc voilà. Et je crois que là on est sur. On est sur la route, les gars. Oh putain, on est sur la route. Du coup, comment faire pour voir je ne sais pas. Sachant qu'en plus on voit rien. Donc s'il y a un panneau, je vais passer très vite à côté. On va tous être très déçus. Merde, si ça se trouve c'était écrit et tout sur les panneaux là-bas qu'on a passé rapidement. Ah, je me sens con là. Là je me sens con, les amis. Là normalement tu roules à 50 km/h, les gars. Tu roules pas à 90, hein. Qu'on soit bien d'accord. Wow. Oh. Ça voulait plus freiner. Là il y a des panneaux là. Mcolo. Ah bah voilà. C'était écrit. Ah, c'était rapide, hein. Mais c'est énorme, mais voilà, tu vois ce qu'on a raté, j'ai bien fait d'y être retourné, les gars. Route iconique de Mcolo, attention aux motards. Merci my goodness, mais c'est incroyable, bien sûr. Voilà ce clin d'œil de ouf, oh c'est génial. Merci beaucoup my goodness. Voilà, c'est un passage après vidéo que je vous mets au milieu, mais voilà. Ah, ça fait trop plaisir. C'est incroyable, merci beaucoup pour le big up, hein. Encore une fois. Je t'avais déjà remercié de toute façon, mais là voilà, on l'a en vrai. La pire découverte de route. Ah, oh putain, on est déjà arrivé en. Oh là là, c'est infâme. Non, par contre, faut qu'on se mette d'accord, monsieur. J'y vais. Bon, et le point d'interrogation, je pense que c'est aussi une marque de camion là. Volvo au hasard. On va voir. Ah non, c'est Mercedes. Ok, bon bah voilà les gars. Voilà qui est fait. Je vais pas vous mentir, je peux comprendre. Ouais, c'est pas ouf. Une demi-heure de vidéo dans laquelle en vrai on n'a pas fait de livraison, on n'a rien fait du tout. Je peux comprendre, mais voilà, on aura découvert, on aura vu la route. Enfin découvert, oui. On aura vu cette route qui porte mon nom. Et voilà, en tout cas on aura fait monter aussi le pourcentage, 38% seulement. Oh là, c'est pas ouf. Par contre, faudra vraiment ouais, du coup les prochaines vidéos, on ira vraiment sur Melan. En fait, c'est ça ce qui est chiant, c'est quand tu veux faire des belles livraisons, il faut que tu prennes des grandes routes. Et en l'occurrence, si on veut découvrir Melan, ce sera jamais pareil, tu vois. Là, les livraisons, elles nous font emmener à des routes ailleurs. Et c'est ça le problème. Mais voilà, il faudra qu'on aille voir Melan. Moi, j'aimerais aussi beaucoup voir ici, du coup, Granville. Je pense que là, on aura des belles livraisons à faire. Donc ça, ce sera pour les prochains épisodes. En tout cas, soyez patients, les amis. Soyez patients pour les prochains épisodes, vraiment. J'espère que vous me comprenez. Enfin, je sais que vous me comprenez, mais j'espère que ça ne va pas vous déranger. Et puis nous, on se retrouve en tout cas très vite pour de prochaines aventures, de prochaines vidéos. Far Cry 6, là, dans quelques jours. Si ce n'est demain, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. En tout cas, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. C'était Mcolo. On va tryhard à fond, là, YouTube. Là, je vous le dis, je vais tryhard à fond YouTube. Et on se retrouve très vite. C'était Mcolo, des bisous. Ciao tout le monde.